tout à l'heure, Jordan. Oh, bah très très bien, il se réclame. Oh, il arrête de bouger. Je suis prête. J'ai pas envie d'avoir un enfant toute seule. Je veux qu'on l'élève toutes les deux. Comment on fait? Insémination en Belgique? Je préfère qu'il y ait quand même un... Quoi? Un référent masculin. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Ben, mon sperme. C'était pas l'idée? Je comprends rien à ce que tu me racontes, ma fille. Si tu n'es ni la mère, ni le père, tu es quoi, toi, là-dedans? La seconde mère. Mais ne dis pas n'importe quoi. On n'a qu'une seule mère. Si, je serai sa mère aussi. Mais où? Devant le supermarché, bien sûr. Vite, dépêche-toi. Mademoiselle, ça va? Tu prends tout mon loup? Alors, il n'y a pas un taxi de ligne, mais j'ai appelé Olivier, il arrive. Je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Mais si, allez. Allez, 3, 4, oh, oh, les brocolis. Et... Eh, dis donc, tu peux peut-être s'expliquer, tu crois pas? Hugo, t'es mon ami, j'ai pas envie de me disputer avec toi. Moi non plus, j'ai pas envie de me disputer avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu prends toute la place. Non mais attends, c'est ma place de père, Marion. Je comprends ce que tu ressens, mais moi j'ai pas envie de passer à côté de ça. Il faudrait que je fasse quoi? Que je me barre comme s'il existait pas, ce môme? Oh! C'est quand même dingue, moi, l'hétéro. Les mômes me donnent des boutons, et vous? Vous pensez qu'à une chose, c'est fonder une famille. C'est le monde à l'envers. Ah non! C'est le nouveau monde. Au nouveau monde. Au nouveau monde.